Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 338 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme vous l'avez peut-être vu, on arrive bientôt aux 500 abonnés, ça serait vraiment incroyable de passer ce cap symbolique de 500. Du coup, le chapitre, il va commencer avec Tsukauchi qui va demander à Sansa, donc c'est le chat de la police, on se rappelle, de faire taire Aoyama, et va dire à Izuku qu'il n'a aucun moyen de prendre sa main puisque de toute façon, il est attaché. Comme vous l'aviez dit au chapitre précédent dans la dernière vidéo, Aoyama, il est attaché, donc comment il peut attraper la main de Deku, enfin, c'est un peu bizarre. Il dit aussi que peu importe les circonstances, mais les crimes qu'il a commis sous les ordres d'All For One ne seront pas effacés. Et même si tout le monde suppose que Aoyama n'explosera pas comme l'a fait Lady Nagant, il est plutôt préférable de l'emmener directement à l'hôpital central pour être sûr à 100% que rien ne se passe. Tsukauchi va leur demander aux parents d'Aoyama pourquoi ils n'ont pas prévenu All For One par exemple du raid sur Kamino, et ils vont lui répondre que leur communication est à sens unique en fait. Comme il ne les a pas contactés à ce moment-là, il n'aurait pas pu le lui dire même s'il l'avait voulu. En fait, eux, ils peuvent seulement recevoir les ordres, mais ils ne peuvent pas lui dire des choses. Ensuite, Midoriya va les interrompre en disant qu'il est peu probable qu'ils trouvent All For One par eux-mêmes. Par la suite, Kaminari, Momo et Mineta vont comprendre sur le champ ce qu'ils pensent. Aoyama, c'est la seule personne actuelle qui est capable de les conduire à All For One. Passons à Present Meek, lui va penser qu'ils vont beaucoup trop vite pour l'instant et qu'il est impossible de faire confiance à Aoyama en ce moment. Mais Ida va l'interrompre en disant que les erreurs qu'il a commises sont de l'eau sous un pont. Donc là c'est une métaphore pour dire que oui il a fait des erreurs mais maintenant elles sont déjà passées, elles sont derrière nous. Il dit qu'ils sont également à blâmer pour ne pas avoir été en mesure de sauver son cœur et qu'à ce stade, ce que Ida lui-même veut le plus est de tenir la main de son camarade de classe qui pleure de désespoir. Finalement, on va se rendre compte que même s'il a fait des erreurs, qu'il a été en contact avec All For One, ses amis sont prêts à l'aider. Bon, par contre, passant sur Bakugo avec ses blagues de ouf, hein, il va dire qu'il va frapper au moins 5 Outwitzer Impact dans le visage de Aoyama pour compenser son enlèvement par la Ligue des Vilains. Par contre, Zero va lui dire d'arrêter, car en fait, avec Bakugo, c'est difficile de dire si c'est une blague ou pas. Passons à Kirishima qui mentionne le fait que Aoyama demandait à ses parents d'arrêter, il est donc assez évident qu'il ne veut plus obéir à All For One. Tout comme ils n'ont pas reproché à Deku de cacher qu'il n'avait pas d'alter, la meilleure chose à faire avec Aoyama est de l'accepter à nouveau. Revenons sur Tsukauchi, il va commencer à discuter avec les parents de Aoyama pour savoir quel est le choix le plus rationnel à faire en ce moment. Mais lui aussi se fera interrompre cette fois-ci par Aizawa qui regardait tout par le biais d'un appel vidéo sur l'iPad que tenait Present Meek. Il va demander à Izuku s'il a déjà un plan spécifique en tête, mais il va lui répondre que non. Aizawa dit alors à Tsukauchi qu'il est lui aussi à blâmer pour ne pas l'avoir réalisé beaucoup plus tôt et qu'il est d'accord avec la décision des élèves. Il s'adressera ensuite directement à Aoyama en lui disant qu'il n'a pas l'intention de l'expulser du lycée. Il demandera ensuite à Tsukauchi de couvrir l'oreille des trois Aoyama, donc la famille, les deux parents et Aoyama lui-même, car il veut discuter d'une idée avec le reste de la classe. Nous voyons ensuite une page montrant la réaction des élèves à ce qui a été dit, tous semblent choqués. Là, petite chose intéressante, qu'est-ce que Aizawa leur a dit? Parce que là, comme on le voit, tous semblent choqués. Est-ce que c'est quelque chose d'incroyable? Est-ce que c'est une révélation? Moi, je pense plus que là, c'est l'énonciation de leur plan. Après, si jamais vous avez des idées concernant ce qu'il a pu dire, n'hésitez pas. Repassons maintenant sur Tsukauchi, il va dire qu'ils doivent d'abord enquêter sur certains endroits et demande à Sansa de ne pas en parler au reste des forces de police ni à personne d'autre. La famille Aoyama sont escortés dans le hall, Deku appelle son nom mais il est incapable de répondre. Là je pense qu'il parle de Aoyama, peut-être qu'il voulait lui dire un truc mais il lui a pas répondu. Ensuite, petit changement d'ambiance, nous voyons tous les élèves dans les dortoirs disant qu'ils doivent se préparer. Ida va leur demander à Deku ce qu'ils vont faire avec leurs costumes de héros, puisque leurs deux costumes sont en désordre. On l'avait déjà vu avec les chapitres où il y avait le Dark Deku, comme tout le monde disait, où Izuku s'était battu contre la classe A, etc. Son costume était vraiment endommagé. Après ça, Agakure dit qu'ils vont battre All For One à coup sûr, et tout le monde est d'accord avec ça, avec une expression de colère. Deku marche alors dans le hall, toujours avec cette expression. Il dit que pour aller au combat à pleine puissance, il doit s'équiper correctement. Il se dirige alors vers le studio de développement de Hatsume quand soudain, et la porte explose sur leurs yeux avec Hatsume qui tombe avec sa poitrine sur le visage de Deku. Et ouais, on a le retour de cette scène un peu fanservice là dans l'animé où Izuku voulait refaire son costume pour faire le shoot style.
Bon bah du coup maintenant qu'on a eu cette scène une deuxième fois, est-ce qu'on va l'avoir une troisième fois, peut-être plus tard, parce que jamais 203, hein, vous savez. Bon en tout cas c'est surtout pour faire rire les lecteurs je pense en fin de chapitre, étant donné qu'on n'a pas eu de folles informations. En tout cas ce qu'il faut résumer avec ce chapitre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils sont en train de mettre un plan en place pour pouvoir aller au contact de All For One. Comme on l'a appris, c'est seulement Aoyama, en fait c'est lui qui est la clé pour pouvoir y parvenir. Et c'est pour cette raison qu'en fin de chapitre, on a vu que tous les élèves doivent se préparer pour un futur combat contre lui. Mais du coup, pour quelle raison en fait Izuku et Tenya sont allés voir Hatsume? Est-ce que c'est seulement pour refaire leur costume parce qu'ils ont été un peu détruits et endommagés? Ou si c'est vraiment pour faire de nouvelles choses? Est-ce que du coup Izuku, comme il a appris de nouveaux haltères, il a appris à les maîtriser avec le One For All, est-ce qu'il veut faire un nouveau truc avec son costume en rapport avec un de ses haltères? Est-ce que par exemple il veut faire quelque chose qui supporte un peu mieux l'utilisation du Fajin, du Black Whip? Pour l'instant on peut pas trop s'avancer là-dessus. Mais du coup ce qui est vraiment intéressant à retenir, c'est qu'il y aura prochainement un raid pour aller battre All For One. Après, dans quelles circonstances ça va se passer, pour l'instant vraiment on n'en sait rien. Et petit à petit on voit bien que le combat contre All For One, la guerre finale on va dire, elle approche à grands pas. Bon bah du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les spoilers du chapitre 338 de My Hero Academia. Si ce chapitre vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si vous avez d'autres choses à dire concernant le chapitre, certaines informations qu'on a eues dans ce chapitre, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Mine de rien, on est bientôt aux 500 abonnés comme j'ai dit en début de vidéo. Ça serait vraiment cool de passer ce grand cap de 500 abonnés. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.